besoin d'un peu d'amour. J'ai 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 besoin d'un peu d'amour. Bonsoir Aïcha Kamoise. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint dans cette interview avec Monsieur Pimbon Tralala. C'est ok. Alors dites-nous, comment s'est passée la collaboration? Comment il vous a contacté? Déjà, la collaboration s'est passée très bien. J'ai été surprise de voir un personnage aussi humble. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à voir quelqu'un d'arrogant, vu son statut, vu sa position, voilà. Mais j'ai été très, très surprise de voir quelqu'un aussi gentil, aussi humble, aussi accueillant et voilà. Pendant le tournage, j'ai pris le temps de l'observer, de voir sa manière de jouer et tu apprends quoi. Voilà, donc. Est-ce que tu peux nous dire exactement le rôle que tu as joué dans la série Les Échos de Pimbon Tralala? J'ai joué le rôle de sa copine qui vient du Cameroun, hein, qui vient le trouver dans une situation, on va dire, pas commode, pas agréable. Voilà, tout simplement. Et Pimbon, dites-nous comment vous avez trouvé la prestation de mademoiselle Aïcha Kamoise. Ah, sincèrement fantastique. Déjà que Aïcha, du moment où j'ai regardé ses séries, les aventures Kamoise sur YouTube, sincèrement, c'est un coup de chapeau quoi. Pour quelqu'une qui a été inspirée comme ça, qui s'est fait entourer des presque des amateurs et tout. Et le message, c'est-à-dire le sujet sur lequel elles débattent, c'est-à-dire elles savent sensibiliser, mais dommage qu'il y a d'aucuns qui prennent mal ceux qui apprécient. Moi, je veux dire Aïcha vraiment coup de chapeau. Merci. Et je veux féliciter tous ces jeunes-là qui t'entourent et sincèrement vraiment. Bravo à vous et jamais, faut jamais lâcher Aïcha. Est-ce que vous avez un message commun à passer à tous les autres comédiens camerounais ou africains? En effet, moi personnellement, ce que je dirais à d'autres comédiens, c'est de travailler, sauf le travail paye. Ne vous aventurez pas dans ce métier comme ça. Il faut déjà vraiment, vraiment, vraiment mûrir déjà la chose et sentir qu'on est prêt et qu'on est celle ou celui-là qui peut véhiculer ce message, quoi. Aïcha, voilà. Toi qui commences et qui a eu la chance de travailler avec de grands monsieur comme Pimbon Tralala, qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes d'autres qui veulent être comme toi? De persévérer, de ne pas être arrogant, de ne pas se sentir... parce qu'il y en a d'autres qui débutent, ils ont quelques petits fans, ils se croient à la hauteur, qui se comparent au même niveau que, on va dire, je suis au béaba du commencement, quoi, donc j'ai pas encore commencé. Donc ces personnes-là, restez vous-même, soyez pas arrogants, soyez pas fiers et ne prenez pas trop vite la grosse tête. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci Aïcha Kamoise. Merci. Merci à M. Tralala pour cette interview exclusive. Merci Brigitte. Nous donnons rendez-vous aux fans. Voilà. Pour les échos de Pimbon Tralala en main. Voilà. Et j'allais dire aussi, ceux qui veulent me retrouver sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur ma page fan Aïcha Kamoise ou encore sur les aventures Kamoise. Merci, ça j'ai oublié de préciser, mais c'est bien d'avoir dit ça. Alors voilà, on dit au revoir aux fans et voilà, portez-vous sur les écrans. Hein. Voilà, portez-vous bien des choses à vous, voilà quoi. C'est bon. Bonjour, ici Aïcha Kamoise, artiste dans la série web Les Aventures Kamoise. Je fais un big up à Le Doux Paradis, hein. Un personnage assez marquant, hein. Il m'a vraiment marqué, je veux le dire, c'est quelqu'un d'agréable avec qui on peut facilement travailler. C'est lui qui, on va dire, qui réalise actuellement le film de Pimbon Tralala. Enfin, le film qui s'intitule Les Aventures de Pimbon Tralala. Donc rendez-vous bientôt, bisous, bye bye. C'était Le Doux Paradis pour l'Asbel Télespi, Solidarité Paradisiaque Internationale. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour.
J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour. J'ai besoin d'un peu d'amour.